Avec ses maisons aux volets verts, ses plages et ses marais, l'île de Ré est parfaite pour quelques jours d'évasion. Découvrez avec nous celle qu'on surnomme l'île Blanche. L'un des atouts de l'île de Ré, ce sont ses pistes cyclables. Elles sillonnent l'île de toutes parts sur un terrain plat qui offre des paysages variés qui vont des sous-bois au bord de mer en passant par les marais salants. Sur l'île de Ré, pas de grandes villes, mais des villages à taille humaine, dont le plus emblématique est sans conteste Saint-Martin-de-Ré. Les fortifications signées Vauban qui entourent la ville sont impressionnantes. À leurs pieds, nous avons trouvé des ânes qui, à la belle saison, font le bonheur des petits comme des grands. À Ré, les savons au lait d'ânesse sont particulièrement réputés. Dans le port, quelques privilégiés ont leur bateau amarré à l'année. De quoi faire rêver les amateurs de plaisance. Les maisons aux volets colorés et les venelles font la fierté des habitants. C'est un vrai plaisir de déambuler à pied dans ces ruelles calmes et bordées de végétation. Une des balades à vélo qui nous a le plus séduites, c'est celle qui longe les bords de mer et les marais. C'est magique de traverser ces étendues d'eau à la biodiversité riche. Un circuit qui traverse également de petits villages comme celui de Loïs, avec son port d'échouage du XIe siècle. Au bout de l'île, le phare des baleines est un impressionnant édifice de 60 mètres de hauteur. Il doit son nom aux nombreux cétacés qui, au cours des siècles, sont venus s'échouer sur ses côtes. Il faut avoir le courage de gravir 250 marches pour mériter une vue imprenable sur tous les environs. Une autre piste cyclable nous conduit devant l'abbaye des Châteliers du XIIe siècle. Dommage que cet édifice soit en ruine suite aux guerres de religion. Incontestablement, le vélo est le meilleur moyen de parcourir l'île de Ré. Un territoire essentiellement naturel puisqu'il est non constructible à 80%. Même si le pont facilite l'accès à l'île, elle a gardé toute son identité malgré le nombre important de visiteurs en période estivale. Nous vous conseillons de venir au printemps ou en automne car malgré un beau soleil, nous avons eu vraiment très froid en janvier. À Ré, il suffit d'ouvrir les yeux et de respirer pour goûter au charme authentique de cette île où la lumière reflète tout un art de vivre.